Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans notre troisième partie sur Dying Light The Following. Et tout d'un coup, il pleut super fort, c'est vraiment chiant dans le cul. Bon, on continue notre mission, on doit aller voir Jazir et le sans-visage. Oh, vous faites partie des sans-visages. Est-ce que je pourrais parler à la mère? Tu crois qu'elle parlerait à un étranger? Non. Mais t'es sur la bonne voie pour rejoindre nos rangs. Sois patient. Quel est ton nom? Kyle Crane. Tu as un long chemin à parcourir, Kyle Crane. Ne t'en écarte pas. Et puisse ceci t'aider dans ta lutte. C'est tout ce que nous avons à te dire pour le moment. Oh! Arbalète de la mort! Merci beaucoup! Et toi, tu peux partir maintenant. T'es en train de jouer avec ton iPad, c'est ça? Ok, amuse-toi bien. Attention les amis, c'est l'heure d'utiliser le nitro! Wouhou! Ah, ça c'était génial! Ça a fait du bien! Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est une quête annexe. Ok, ben, ce n'est pas mon problème, moi je suis trop occupé. Oh boy, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule pendant un petit instant, mais bon. Alors, il faut se diriger ici. Wow, ok, c'est dégueulasse. Et oh boy, non, je me suis fait attraper, et c'est pas pour ça. Oh, oh, faut que je m'enfuis, il y a quelqu'un qui me chasse, hein. Ouais, il y a un maudit zombie qui me chasse. Allez, approche-toi. Approche-toi. Et voilà. Ça t'a fait mal, je le sais très bien. Ça one-shot les ennemis, c'est tellement cool. Ne me dis pas que je dois escalader ça. Bon ben, j'ai pas trop le choix et oh boy. Ok, on va commencer par là, comme ça. Et ici. Ça va être un petit peu long, mais on doit le faire. Encore un dernier saut. Voilà, j'espère que je ne vais pas tomber. Tranquille, tranquille. Et on y va! Et j'ai foiré mon coup, désolé. On va utiliser un kit de soins, ce n'est pas si grave que ça. Je suis arrivé à destination et maintenant, on va rentrer là-dedans. Oh, oh merde, désolé. Je pensais qu'il y avait personne. Sans blague, sale petit voleur. Hé, hey, relax, je cherchais juste des pièces pour ma voiture. Je comptais pas voler quoi que ce soit, je le jure. Tu me crois? Si t'as besoin de pièces, tu peux les acheter. Je m'appelle Jacob Graves. Kyle Crane. Enchanté. Alors que les choses soient claires, toutes ces pièces sont à moi. Si tu veux quelque chose, il va falloir payer. Compris. Ok, alors il faut que je gaspille de l'argent juste pour compléter ma quête, c'est ça? Oh, aidez les autochtones pour que les sans-visages vous remarquent. Tantôt, j'ai fait une quête annexe, là, mais ça ne sert à rien. Bon, alors je devrais faire cette quête annexe, hein? Détruisez le nid de rapace. Je ne sais pas si c'est bon, mais bon. Alors, que puis-je acheter? Ça coûte tellement cher, ces trucs! Oh, wow! Oubliez ça, man! Lubrifiant? On va acheter un lubrifiant. En fin de compte, je suis revenu dans la ferme parce qu'il y a plusieurs quêtes à prendre et je crois que c'est ces quêtes qu'il faut que je complète. Alors, on y va. Ici. Jazir, qui a dessiné ça? Oh, ça n'a pas d'importance. Le gamin n'arrête pas de faire des dessins, je les jette au fur et à mesure. Mais c'est quoi? Un truc qu'il travaille, je suppose. Sa mère avait accepté un boulot à Arran avant l'épidémie et l'avait laissé chez ses grands-parents. Elle devait lui envoyer un cadeau ou un truc comme ça. Mais bon, tu sais ce qui s'est passé, c'est pas important, t'as qu'à le balancer. Oh, t'es tellement méchant! Ok, monsieur le facteur a mon colis, tu peux apporter mon colis, accepté. Alors le gosse attend un cadeau depuis tout ce temps. Punaise. C'est punaise. Triste, hein. Achète des foies, bon, esquiveur. Jazir, faut que tu m'expliques. Pourquoi tu veux que je te rapporte des foies d'esquiveur? Ces saletés d'esquiveurs. Ils passent leur temps à profaner les tombes de nos proches et à dévorer leurs cadavres. Bon, d'accord, mais pourquoi leurs foies? Quoi? On vous apprend rien à la ville? C'est l'odeur. Elle permet d'en attirer d'autres. C'est les les phéromones. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour les faire fuir? Oui, c'est ce que je voulais dire. Tu apprends vite, mon garçon. Donc, les esquiveurs sont attirés par les cadavres que vous abandonnez dehors? Absolument. Et si tu tombes sur un esquiveur, renverse-le avec ta voiture, ok? On t'en sera très reconnaissant. Et n'oublie pas pour les foies. Oui, boss! Chasse à l'esquiveur. Bon, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire, pas besoin de lire tout ça. Allez, on prend toutes ces quêtes. Jazir, ces bandits qui ont pris la ferme d'Erkan, t'as pas peur qu'ils s'en prennent à vous ensuite? Ici, on peut s'occuper d'eux. Mais on n'est pas des soldats. Je n'enverrai pas des gens à l'abattoir. Eh bien, tes talents pourraient nous être utiles.
Va parler à Ezgi. Elle t'expliquera le genre de saloperie que tu pourrais rencontrer. Et... essaie donc de trouver Polat aussi. Il travaillait à la ferme d'Erkan. Il aura peut-être des trucs utiles pour toi. Oui, boss. Voilà, j'ai tout pris. Ah ben, ok, c'est parfait. Il y a d'autres quêtes ici, je vais aller tous les chercher. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, d'accord. Hé, petit, je vais à la poste. Si tu veux, je demanderai si ton colis est arrivé. C'est ce qu'il y a dedans? Un cadeau? Un cadeau de ma maman? Dans sa lettre, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait une surprise. Et après, elle reviendra ici. Et on pourra jouer tous les deux comme avant. Oh, il est trop cute, ce gars-là. Il faut que j'aille chercher son cadeau. Mais bon, c'est ça, il faut faire ses quêtes. J'en ai plusieurs, hein? Waouh! Ok, faut faire les quêtes annexes jusqu'à ce que les 100 visages m'adorent. Alors, Ezgi... Ah, Ezgi, t'es pas là? Hey, Polat, je compte aller à la ferme d'Erkan. T'es dingo, monsieur. C'est du suicide. Laisse-moi en décider, l'ami. Et puis les bandits pourraient bientôt s'en prendre à vous. Mais qu'ils viennent, bordel! Après ce qu'ils ont fait à la petite, il n'y aura aucune pitié. Si tu le vois comme ça, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas se venger maintenant? Ne fais pas trop le malin avec moi, monsieur. On est en colère, oui, mais on n'est pas fou. Tu veux te faire tuer? Je crois pouvoir gérer quelques voyous armés. Et il paraît que t'as un tuyau pour moi. Jazir m'a dit que t'avais bossé à la ferme. C'est bien vrai. Si tu veux vraiment aller là-bas, suis le mur et va à l'est de l'entrée. Il y a un trou dans ce grand mur. Tu pourrais peut-être passer au travers. Ah, merci pour l'astuce, mon ami. Alors, je suis bientôt arrivé à destination. On va utiliser un petit nitro. Et on va massacrer les zombies qui ne sont pas là. Ouais. Oh, y'a un esquiveur derrière moi! Attends, il faut que je lui roule dessus! Ah, non, je veux compléter la quête de l'esquiveur! Fuck! Putain, ah, tu sais quoi? Fuck you! Allez, on va te chasser. Bam! Oh, oh là là, reviens ici, mon poteau! Te voilà! Et bam! Oh, laisse-moi tranquille! Ah, je sais même plus où je suis en train de swinguer mon arme. Viens-t'en. Tu sais quoi, non, je vais utiliser mon arbalète. Et un headshot que j'ai manqué. C'est vraiment chiant dans le cul, mais bon. Alors, j'ai réussi à compléter la quête de l'esquiveur. C'est génial. Et oh, waouh. Et waouh. Je sais pas où la tête est partie, mais bon. Donne-moi ton foie. Yes. Bon, j'ai complété une quête. Faut juste que je ramène le foie au vieux monsieur qui s'appelle Jazir. Et après, ouais, ça va être complété. Mais pour l'instant, on va continuer notre quête qui se retrouve proche d'ici. Il faut aller là-dedans. Oh, waouh. Ok. C'est quoi? Et voilà, une chose faite. Deuxième chose faite. Et là, je vais escalader cet endroit. Nan, j'ai rien qu'à marcher. Mais je vais me préparer en avance. Je vais prendre ceci. Laissez-moi passer. Mine. Ok, une réparation. Et ferme. Oh! Laissez-moi passer! Je veux juste aller chercher le cadeau de l'enfant! Come on! Voilà! Oh, le headshot! Encore quelques mines, et voilà! Oh shit, j'ai mal visé. Allez, venez ici! Oui! Oh! Bon, j'étais vraiment trop proche de la mine. C'était une mauvaise idée. Oh, on est là pour niaiser, on est là pour s'amuser. Et voilà! Allez là-bas! Je ne veux plus vous voir! J'en ai marre! Bon! On va décocheter ce truc. Bon, ok, good. On peut rentrer, finalement. Oh, est-ce que je peux fermer ça? Voilà. L'alarme. Nice, bon. Alors, où es-tu, petit colis? Oh, waouh, il y a tellement de trucs orange. What the? Oh, tu m'as fait peur. Bon, j'ai paniqué pendant un petit instant. Mais c'était pour rien. Est-ce que c'est toi? Non. Le paquet du gamin est pas là. Ah, trouver des infos sur l'emplacement. Il était peut-être déjà en cours de livraison. C'est pas bon ça. Bon, trouver des informations. Allons-y. Je dois sûrement lire ces trucs, hein. Ah, ok. J'ai obtenu une clé. Merci beaucoup. Un indice. Ouais, j'ai lu quelque chose avec deux fourgons de je sais pas quoi, mais je ne voulais pas lire tout ça parce que selon moi, cela ne sert à rien. Non, mais t'es pas sérieux. Il faut que je remonte ici. Oh, come on! Cette fois-ci, je vais pas rater mon coup. Ah, ça fait mal quand même. Bon. Alors, je suis bientôt arrivé à destination. C'est à 30 mètres de moi. Parfait. Non, mais honnêtement, avancer là, j'aurais fait ces deux quêtes en même temps. Oh. Bon, aïe, c'est qui me vomit dessus? L'enculé!
Waouh, il y a un bonhomme qui va exploser. Attends. Voilà. Ouais. Fuck. Ok, attends. Faut que je me guérisse un peu. Je vais sortir mon arbalète. Comme ça. Là, on va te headshot. Et ça te fait pas mal, hein. Oh boy. J'ai raté mon coup, je suis trop stressé. Ah. Voyons donc. Oh. Tout ça pour un colis pour un petit gamin. Faut que je les attire ailleurs. Bon, on va tuer ces bonhommes. Comme ça. Et on va envoyer ça là-bas. Vous ne me voyez plus. Vous ne me voyez plus, c'est bon. Tranquille. C'est ça, allez là-bas. Allez, là-bas, encore. Nice. Okay, on y va. On peut y aller. Vite. Allez, colis. Ok, je l'ai pogné. Yes, apportez le colis à Jassir. Alors, je suis de retour à la ferme et maintenant j'ai complété 2 quêtes. Ce qui veut dire que je devrais avoir un bon niveau de confiance auprès des 100 visages. Enfin, je l'espère. Donc, premier bonhomme à aller rendre visite, c'est lui. Il se retrouve ici. Ah. Pardon, Sera, c'est ça? J'ai trouvé quelque chose pour vous au bureau de poste. Sans blague? Enfin, c'est sympa, hein? Mais pourquoi vous vous êtes donné tout ce mal? Je me suis dit que c'était peut-être important. Eh bien, pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que tout était redevenu normal. Que tout ça n'était qu'un cauchemar. Merci. Merci beaucoup. Ah, de rien, un de ces jours. On peut dire qu'elle rêve en couleur. Et... quoi? On m'a juste donné ça de niveau de confiance. Oh, va te faire enculer, va te faire baiser, man. Ah, attends, il fallait que je rentre dans la maison. C'est au même endroit, désolé. Je croyais qu'il fallait que j'aille au toit. C'est que je suis nul. Ah, ben voilà. Hé, Esgi. Oh, c'est... c'est la fille d'Erkan, non? Non, c'est pas vraiment elle. Juste ce qu'il en reste. C'était la personne la plus joyeuse que je connaissais, mais là... Je suis désolé. Mais elle... elle est consciente, non? Consciente, oui, mais... plus elle reste allongée là, plus j'ai l'impression qu'elle souhaite une fin rapide. Quand elle parlait encore, elle m'a dit qu'il l'avait blessée. Et sa mère aussi. Ils ont tiré sur son frère en plein visage. Ils l'ont forcé à garder. Je vais m'en occuper. Ils feront plus de mal à personne. Ouais, c'est ça. Désolée, j'ai déjà entendu ça trop souvent. Ah, mais cette fois-ci, c'est la vérité! Et tu parles de cette femme? Oh, ok, ouais. Et boy! Ça fait mal au cœur! Dernière chose à faire avant de partir, apporter le colis à Jassir. J'ai le paquet pour le gamin. Tu peux le lui apporter? T'as risqué ta vie pour un gamin? Je sais pas quoi dire. Merci. Merci. Remercie-moi avec beaucoup de points. Yes! Bon, on a level up. Vous avez reçu une nouvelle tenue, merci beaucoup. Vous avez gagné un niveau de confiance, vous êtes désormais un... J'ai pas pu lire, c'est quoi? Il faut que j'aille te voir encore. Jassir, j'ai un foie d'esquiveur pour toi. Mais qu'est-ce que tu fous? Ne t'approche pas de moi avec ce truc qui pue. Va le mettre dans le tonneau qui se trouve derrière la grange. C'est vrai, j'avais un foie d'esquiveur. En gros, j'ai presque complété 4 quêtes one shot, hein. Hey, c'est génial. C'est ici, je pense. Tu ne le connais pas. What? Et pourtant tu nous aides. Est-ce pour la gloire de la mer ou pour ton gain personnel? Ah, oh, ça pue, c'est une infection. Bon, alors, parlez à Jassir. Le disciple m'a parlé et je l'ai complètement ignoré en disant que ça pue. Voyons donc. Allez. Ok, ça y est, il est dans le tonneau. Merci. Et si tu en trouves d'autres, mets-les dans le tonneau, hein. Cette odeur est vraiment ignoble. Ok, pas de problème, pas de cacarino. Faut vraiment que je développe mon truc. Je suis rendu à quoi là, niveau? Ah, je suis devenu un allié. Ce qui veut dire que j'ai débloqué les carreaux élémentaires et la tenue d'allié. La tenue d'allié, j'ai envie d'aller le porter. Attendez une seconde. Après, j'ai une arbalète améliorée et la tenue de disciple. La tenue de disciple, pardon. J'ai du mal avec le masculin et le féminin. J'ai vu ton mot, Jassir. Qui est ce Sabi? Il devait vous apporter des médicaments? Oui. Il nous apportait des herbes fraîches toutes les semaines. Mais ça fait trop longtemps que nous n'avons plus de ses nouvelles. Je sais, il est sans doute mort. Mais rien n'est certain. Tu ne le connais pas. Il voulait devenir un sans-visage. Il ne se serait pas facilement laissé tuer. Et donc, une idée de l'endroit où il pourrait être? Et cette histoire de fièvre, il vous faut toujours des herbes, non? Il vivait dans une hutte, sur une île rocheuse. Et oui, il y gardait ses herbes. Sois prudent. S'il est arrivé quelque chose à Sabi, ce doit être sérieux.
Ah ah, oh, faut faire attention, les amis. Oh oh, attends, attends, il y a un point d'exclamation en orange, ça veut dire que je peux faire de quoi avec lui maintenant. Parle-moi de ce Sabi. Et il faisait quoi avant l'épidémie? Il était garde forestier, un homme fier et courageux, qui préférait toujours la compagnie des animaux à celle des hommes. Je vois le genre. Il avait donc le profil parfait pour les sans-visages? Non, c'est venu plus tard. Au début, il n'avait pas la foi. Ce n'est qu'après avoir reçu la bénédiction de la mère qu'il a décidé de l'aider à atteindre son but du mieux qu'il pourrait. Et là, il a commencé à t'apporter le médicament? À répondre à certains besoins de notre communauté, oui. Tout en vivant dans cette hutte. Dis donc, ça fait loin pour aller bosser, surtout à pied. C'est là que Sabi était spécial. Il n'avait pas peur, ni des monstres, ni même de l'obscurité. Il se baladait la nuit comme si de rien n'était. La frontière entre le courage et la folie. Tu parles de toi-même? Parce qu'on dirait que tu parles de toi-même. Donc, est-ce que c'est une quête principale? Ok, non, ce n'est pas une quête principale. J'ai cru que le point d'exclamation orange m'indiquait que j'allais atteindre le but du jeu et obtenir une quête qui me mènerait vers le chef des sans-visages. Mais on dirait que non. Et oh, attends. Oh, voilà ton cadeau! Voilà donc ce que contenait le paquet. C'est un chouette ours, ça, dis-moi. Merci, monsieur Crane. Maintenant, j'ai hâte que maman rentre jouer avec moi. Oh, il est que... Est-ce que je peux le voir de plus près? Arrête, là, je veux le regarder. Oh, regardez à quel point il est cute! Le petit enfant, il est tellement chanceux. Dis bonjour à monsieur Crane. Dis allô! Allô! Allez, donne un petit hug. Allez, vas-y, câlin. Câlinours! Mais voyons donc, arrête de l'observer, tu vas l'observer toute la journée, donne-lui un câlinours! Voyons donc, il veut même pas m'écouter. Alors voyons voir la tenue que j'ai obtenue. Est-ce que ça se dit? Ouais, je crois que oui. Nouveaux habits. Ok, c'est pas très très nouveau. Habits sales, colocal, blablabla. Oh, il y a tellement de trucs. Attendez une seconde. Oh, ici je suis comme un ninja. Waouh, c'est dommage que je ne puisse pas me regarder de la tête aux pieds lorsque je me promène partout. Alors ceci est la tenue d'allié. Je crois que je préfère la tenue de ninja. Oh oui, regardez ça, je sens que j'ai des pattes de ninja. Donc les amis, nous allons prendre une petite pause ici, nous allons continuer ça la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cette partie sur Dying Light The Following. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.